Eh bien bonjour à tous et bienvenue, je suis Link Legis pour vous servir et je suis accompagné de ma Lily. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que toi aussi. Ça va, c'est le précuspule. Et oui, j'allais le dire, on s'est même pas concerté et tout, j'allais dire encore un épisode au crépuscule. Donc bien joué. Du coup cette fois-ci, enfin aujourd'hui on est encore à Poivre et Sel et on doit retrouver le capitaine Poop. Il est où ? Oh. D'accord. Bon. Signe que c'est pas là que tu dois aller maintenant. Oui. Bon bah... Bon, je vais pas faire tout le tour de la ville puisque je me souviens grosso modo où il est. Hein. D'ailleurs c'était pas là. Je sais jamais en fait, je confonds l'emplacement de... Du port là, ouais. Et l'emplacement de du truc de construction. Non. Je sais que c'est les deux trucs, je les confonds à chaque fois. Réfléchissons. La première pièce va ici, la seconde va là. Selon toute logique, la troisième devrait aller. Où pourrait-elle bien aller? Bah, j'aurais bien une petite idée. Mais... Moi aussi, mais je suis pas sûr que ça fasse plaisir. Ah, c'est un vrai casse-tête. Non, c'était pas là que je pensais. Serais-tu? Salut, je suis Archibald, le capitaine Poop m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? C'est le pack de vent? Mais c'est ennuyeux, le capitaine Poop est sorti. Il doit être au musée océanographique. Là, c'est dur, là. Pourrais-tu le trouver et lui remettre? Puisque j'ai le choix. Hein. Puisque j'ai le choix. Alors, par contre, si je me souviens bien, rapidement. Je pense pas que ce soit ici. Non, c'est pas. Non, c'est dans le musée. Non, mais il me semblait qu'il y avait pas une Pokéball à ramasser. Ah, peut-être. Bon, j'irai voir plus tard. Ah non, il me semble que c'est un mec à qui tu peux parler, peut-être. Ah bah, preuve que c'est maintenant qu'il faut y aller, hein. Tous les gars de la Team Magma sont partis. Regarde la parabole. Oui, puis je me suis un peu téléporté à l'intérieur. Pour rentrer, présentez-vous à la réception. Ben, j'y suis. Bienvenue au musée océanographique. L'entrée coûte 50 Poké-dollars, voulez-vous entrer? Genre, tu dois sauver le monde, mais tu dois payer quand même. Bah, toujours. T'es héros de jeux vidéo. Hein. Bonne visite. Et cette musique, je suis désolée, c'est vraiment la musique de Carmen sur mer. Eh, encore toi? Moi? Je suis ce gars de la Team Magma que tu as déjà ridiculisé, tu te rappelles? Non. Tiens, prends ça et laisse-moi filer. Tu reconnais la musique de Carmen sur mer? Ouais. Remixée, mais j'adore. Non seulement tu mets nos plans en l'air, mais tu m'empêches en plus de me remplir les poches pour compenser. Je m'en souviendrai. Oh. Comment elle est partie vite. D'ailleurs, tu regardais quoi? La surface de ce fossile est parcourue de lignes sinueuses. En circulant, l'eau de mer dessine des motifs de vagues sur les sédiments de fonds marins. On parle de rides de couronne, parfois ces rides se fossilisent. Voilà, c'était le cours de géo d'aujourd'hui. Ah, d'SVT plutôt. D'SVT, oui. La maquette de la région Owen. On peut y voir Bourg-en-Vol. Ici, il faut cliquer partout. Ah, ici, je l'ai pas trop fait en bas, mais ici, on va appuyer. Un échantillon d'eau de Kanto. Les océans ont beau être tous reliés, l'eau est différente selon les régions. Un échantillon de Johto. Bon, voilà. Un échantillon de Sinnoh. C'est trop classe. Les eaux issues du dégel sont riches en minéraux et autres nutriments. Échantillon du Nice. La dureté de l'eau mesure la concentration en calcium et en magnésium. Et un échantillon de Kalos, enfin. À Kalos, l'eau est calcaire et dépasse souvent les 13 TH. Les 30 TH, pardon. Mais du coup, c'est normal que Johto ait... Et Kanto, les mêmes trucs. Parce que les deux sont reliés dans Soul Silver et Earth Gold. Ah, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont la même description. Ferry le Marina. C'est une maquette du bateau qui est en construction au chantier naval de Poop. Sous-marin d'exploration 0. Qui est destiné à explorer les fonds marins. Avec le succès du prototype 0, il a été amélioré. Et c'est le modèle 1 qui explore les mers en ce moment. Capsule submersible. Cette capsule compacte permet d'explorer les fonds marins sans équipage à bord. L'étoile du Nice. C'est une réplique du bateau de croisière qui est en construction dans la région du Nice. J'adore tous ces clins d'œil. J'avoue. Baptême prévu en... Ah zut, les chiffres sont illisibles. Le meilleur, c'est celui-là.
et l'océan. Sur cette musique de Carmen Surmer. C'est une réplique du luxueux paquebot qui parcourt toutes les mers du globe. Et surtout, qu'on voit à Kanto. Alors du coup, monsieur Poop. Je trouvais ça vraiment classe, tous ces clins d'œil. Ouais, j'adore. Oui, si tu cherches Poop, c'est bien moi. Ah, ce doivent être les pièces commandées à monsieur Rochard de la société de Devon. Merci, tu me sauves la mise. On va enfin pouvoir lever l'ancre avec ça. Pas si vite. Par ici les pièces et que ça saute. Mais qui êtes-vous? On est la team Magma. Ça se voit pas du tout. Notre chef a besoin de ces pièces, alors vous allez nous les remettre bien gentiment. Je sais pas. Hein. Non, jamais sans combattre. Vas-y, prends la pause. Un chamallow. Oh, un petit chamallow. Bon, tu crées des fétons ou pas? Je suis pas sûr. Sans plus. Ouais, niveau 16. Ça change. Ouais, niveau 16, on va pas tenter le truc. Surtout qu'on a un Flobio, hein, donc autant s'en servir. Ouais, puis chamallow, il a pas des attaques de merde des fois, donc. Ouais. Généralement, les chamallows font assez mal. Il est vraiment gros. Rebondis feu, tiens. Puf, même pas mal. Par contre, toi, tu vas avoir mal. J'avoue que là, en plus, sol feu. Ouais. Sol feu ou roche feu? Sol, lui. Ouais, roche, c'est l'imagma, je crois. Enfin, je sais qu'il y en a un des deux qui est... que un est sol et l'autre est roche. Oh, lui, sol, il en prend en pleurs en plus. Ah bah oui. C'est une blague! Non, non, il en prend bien en pleurs. Hein. Quoi? Je me suis fait mater par un mioche! Eh bah ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la classe, hein. Manquez plus que ça, le patron va piquer une crise. Incapable. Heureusement que je suis là pour rattraper le coup. Laisse donc faire le plus puissant de tous les sbires de la team Magma en période d'apprentissage. Ah, c'est le plus fort. C'est le plus fort des stagiaires en fait. Des apprentis, voilà. Nosferapti. Là tu peux. Ouais, là on peut. Enfin, ça dépend son niveau surtout. 14, ça passe. Ouais, bah, chauffe mental, ouais. Son fait, c'est pas super efficace sur lui. Ouais. Oh. Bah, faut pas trop lui en demander non plus. Bah, il aurait. Mais il tient, il tient. Il tient, mais il a mal quand même, hein. Enfin, elle a mal. Voilà. Un chamallow, on change. Par contre, non, je vais le changer juste après. Oh, c'est pareil, tu sais maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bah disons que c'est l'habitude des anciens. Et oui, moi je suis un vieux de la vieille. Hein. Bah moi aussi, mais pourtant, voilà. Ouais, je m'adapte. Mais sérieux, non, mais... Je me suis pas encore habitué à ce multi-XP cheaté. Allez. Pauvre chamallow. Ouais. Ça, c'est fait. Voilà. Niveau un 21. Petit niveau pour lui. C'est parfait. Tarsal, oui, non, peut-être. Oui, ouais. Bah voilà. Tarsal niveau 15. Plutôt pas mal, ça. Que quoi? Eh bah ouais, j'ai gagné. Eh oui. Si j'y peux rien, c'était nul, hein. Moi, vaincu. Oui, oui. Alors que je suis déjà presque aussi fort qu'un sbire normal. On fait quoi maintenant? Si on revient sans les pièces, ça va chauffer. Ça alors, si on m'avait dit qu'un gamin nous mettrait des bâtons dans les roues, ça m'aurait bien fait rigoler. Tu rigoles moins, là. J'avoue. Ah. Musique stylée. Non mais c'est la musique de la ligue, on est d'accord. Mais oui, c'est la musique de la ligue. Là, maintenant. Maintenant. Normal, tout va bien. Tout va bien. Je me demandais ce qui vous prenait autant de temps. Je n'aurais jamais cru que vous étiez médiocre au point de vous laisser rosser par un enfant. Ma foi. Tu n'es pas vieux, mais ton regard témoigne du feu qui t'habite. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Je comprends maintenant que mes hommes ne fassent pas le poids. Je me nomme Max. J'ai l'honneur de diriger la team Magma, qui va propulser l'humanité vers de nouveaux sommets d'évolution. Et puisque tu es encore jeune, tu as l'avenir entre tes mains.
Laisse-moi te dire quelques petites choses qui pourront être utiles. La terre. La terre. La terre qui a porté les hommes depuis la nuit des temps. La terre qui nous pousse à aller toujours plus loin. Si nous voulons que l'humanité continue d'évoluer, nous avons besoin d'un ferme plancher sous nos pieds. Une terre que nous pourrons exploiter et qui nous soutiendra dans notre essor. C'est la base de tout. Et c'est pour cela que nous, la Team Magma, devons agrandir la surface des terres émergées. Et ce n'est pas seulement l'humanité qui pourra profiter de ce futur rayonnant. Toutes les espèces en bénéficieront. C'était dur, ça. Ouais. Toutes ces subtilités ne doivent pas être aisées à saisir pour un enfant comme toi. Mais peu importe. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Mais sache que si tu devais à nouveau t'élever contre les grands desseins de la Team Magma, je me montrerais beaucoup moins conciliant. Tâche de garder ça à l'esprit. En route, mes braves. Oh, brave, brave. Pas tant que ça, hein. Et là, tu repasses à une musique toute douce. C'était Wayne. Tu dis que tu t'appelles Link ? Je suis très reconnaissant. Sans toi, nous étions tous perdus. Mais j'oubliais. Je t'ai même pas remercié d'avoir apporté les pièces que j'avais commandées à devant. Et encore une fois, c'est l'enfant qui a sauvé un adulte. Ouais, encore. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il serait peut-être temps que je parte explorer les fonds marins. Si tu veux bien m'excuser, le devoir m'appelle. Tu vas y arriver, Link. Ouais. Je peux le faire. Bon, bah du coup, on se casse. Avec tous ces moments nostalgie, là. Moi, en plus, c'est la musique qui fait bien nostalgie. Je trouve. Avec tous les clins d'œil qu'il y a eu, en plus, ça tombe bien. Mm. Ouh, il fait sombre ici. Du coup... Comment on est là ? Bon, on va continuer. Et je pense qu'on va aller... Ah, c'est maintenant que tu dois partir vers le haut ? Ben, je pense. Oui. Ah, chacun son tour. Eh ouais. Ah, ils sont en train de filmer Atalante, là-bas. Oh non, je vais devoir faire Atalante. Eh oui. T'es sérieux ? Atalante ! Enfin, Atalante ! C'est le mec... Oh non. Et si. Oh non. Et si. Bonjour à tous. Je suis Atalante avec Alti, mon Altaria chérie. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Devant la salle concours live de poivre et sel. Alti. C'est parti pour une journée de folie. Oui. Ah non, c'est ouh. Dans le ciel, les étoiles tournent, tournent et tournent. Super. Tourne. Je te montre mon cul. C'est l'heure de l'annonce magique d'Atalante. Tu sais, j'imagine les trucs tourne, et puis d'un coup t'entends... Enfin, c'est le moment, ça y est. Oh là là. Atalante, choisis-moi, voilà mon CV pour devenir ton petit ami. Là, t'as besoin d'un CV, tu sais. Atalante, Alti. Très bien, je vais maintenant choisir quel dresseur aura la chance de faire partir du monde merveilleux des concours. Alors... Non, toi t'as les cheveux trop longs, toi t'as les cheveux trop verts. Mm-hmm. Toi. Toi là, qui nous regarde avec des yeux ronds, bonjour. C'est normal, je te trouve bizarre, madame. Tu n'as jamais participé à un concours, c'est parfait. Non. Puis d'abord, qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux, hein? Ils sont ronds. Très bien, aujourd'hui, je choisis ce dresseur. Comment t'appelles-tu? Link. Link. Oh, mais je vois que notre ami Link possède des badges d'arène. Ouais, deux. C'est un dresseur qui a déjà beaucoup d'expérience. Ouais, au taquet. Link. Oui, c'est moi. Bienvenue à la salle concours. Merci. J'espère te faire découvrir une nouvelle facette de la magnificence des Pokémon autres que la force brute et les combats. Tiens, voilà pour toi. Merci. Ce passe concours te permettra de participer au concours et ce kit Pokéblog de créer des Pokéblogs à partir de B pour les donner à tes Pokémon. T'es super contente de faire Atalante, hein? Grave. Tu veux que je te montre mes fesses aussi? Ça, c'est dans les secrets de tournage, ça. À partir d'aujourd'hui, c'est le début de la grande aventure. Non, mais t'aurais une tenue plus stylée que la mienne, hein, je suis désolée, mais... Ouais. Vite, il faut donner un titre à ce moment inoubliable. Je veux me tirer d'ici. Et Roche te montre mon cul encore. La vedette et sa nouvelle recrue, une rencontre miraculeuse. Je préfère mon titre.
Ça sonne bien, non? Non, je préfère le mien. Je compte sur vous tous pour accompagner et encourager Link. Sur ce, à très bientôt tout le monde. Ouais, à jamais. C'était l'annonce magique d'Atalante. Au revoir tout le monde. Alti! Bravo, hurrah! Ils sont jaloux parce qu'elle a tendu les fesses vers toi et pas vers eux. C'est ça. Atalante, t'es trop belle! C'est la mini-jupe qui fait ça. C'est ça. Viens tenter ta chance en concours! Ouais, et tu crois que... Ouais, en fait, c'est un Altaria qui se... Bah, il flotte avec ses glisse, en fait. Ouais, mais généralement, tu sais, il bat un petit peu des ailes, quoi, normalement, non? Mais c'est des nuages, il a pas besoin. Ouais. Cette musique remixée. Oh, tiens. Oh. Altaria. Ah, Link, merci pour tout à l'heure. Désolé, tu as dû être bien surpris, tu crois? Non. Mais tu sais, les concours sont vraiment des moments magiques, tu vas voir, on devient vite accro. Non. Ah si, dans ceux-là, c'est vrai qu'ils sont classe, en fait. C'est que dans ceux-là, ouais, ils sont pas mal. Je m'y attendais pas. On va juste enlever Altaria. Hein, bon, bah du coup, petit concours, hein. Ouais, on va faire le concours dans cet épisode, du coup. Ah, Link. Mais si tu es ceci, cela veut dire que... Si tu es ici, si tu es ceci... Je suis ça. Tu as décidé de participer au concours. Non. Ouah, je suis trop contente. Moi pas. Vite, il faut tout de suite donner un titre à tes nouvelles aventures. Je veux me tirer d'ici. Et je te remonte mes fesses. La grande aventure du concours. Trop bien. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu veux bien, hein? Non. Hein? 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 Non. Non. Je veux pas, madame. Mais elle est cool, la talente. Ouais. Tu sais, si tu participes au concours, eh bien, je tiens à t'offrir un cadeau. Hi, c'est soudain, je sais. Mais tu vois, en fait, tu es le 100e dresseur que l'on recrute, alors il faut fêter ça. Tu sais, c'est comme les spams sur l'iPhone ou quoi. Vous êtes le « Ah, mignon !» C'est le destin, tu comprends? Tu es le dresseur que je cherchais. Je préfère le destin dans KH. Hein. Ouais, j'avoue. Ah, désolé, je me suis emportée. C'est l'émotion, tu comprends? Non. Pour fêter ta première participation au concours, j'aimerais bien que tu portes ceci. Bon, ça, je suis d'accord. Le costume live. C'est tellement plus joli que ma petite robe rose. Ouais. Donc, en fait, pour savoir, pour ceux qui sont sur Saphir Alpha, eh bien... Quand tu joues la fille, pardon, oui. En fait, la tenue, c'est une robe la même que... Bah, la même qu'Atalante, mais oui, en rose. En tout rose. Oh, tu es vraiment trop beau. Je sais. Ouah, ça te va super bien. Je sais. En fait, dans tous les jeux que je commente, je te rends vraiment très beau, très un dieu, quoi. C'est ça. Ah, j'ai vraiment trop hâte que ça commence pour voir ta première prestation sur scène. Je suis prête à parier que tu vas être super. Ah là là, c'est tellement excitant. Je ne vais pas en manquer une miette. Excité, hein. Ouais, complètement là. Je tiens absolument à ce que tu portes ce costume quand tu participeras au concours. Tu veux bien, hein? J'ai pas vraiment le choix. Tu promets? J'ai pas vraiment le choix. Je suis avec toi, bon courage. Merci. En fait, t'as fait penser à un machin haut. Un petit peu, ouais. C'est une machin bis en fait. Ami fan de Zelda. Ouais. De Toilette Princess ou. Ou d'Hyrule Warrior. Ou d'Hyrule Warrior. Bon, ça, on s'en fout. Bon, du coup. Bla, bla, ouais, tu regardes le résumé sur les Pokémon une fois qu'elle te propose de concours? Oui, on va regarder vite fait, ouais. Bla, bla, bla. Ah, c'est vrai que c'est long au début. Bla, bla, bla. Mais du coup, on risque de se quitter après le concours. Tout à fait, je pense qu'on va faire le concours et puis quand on se quittera. Je sais pas, c'est un petit peu long, hein, mais... Oui, s'inscrire. Quel Pokémon? Alors... On regarde les attaques, du coup. Résumé. Natarsalune. Enfin, Ounette, du coup. C'est une fille. Bah, là, tu peux en grâce. En grâce, qui plaît beaucoup si on l'exécute en dernier ou en premier. Sympa. Faut voir. Et là, en robustesse. Soit robustesse, soit grâce, qui plaît énormément. Diminue la confiance des Pokémon. D'accord. Ou qui plaît énormément et qui plaît énormément. Ah, peut-être en robustesse, du coup. Enfin, ça dépend, fais voir les autres. Diminue la confiance des Pokémon, ouais, qui font leur démo et qui plaît énormément. J'aurais plutôt tendance à prendre celle-là, moi. Ouais, en grâce? Ouais. Allez.
Et bah du coup on est parti avec Flo Bio en mode grasse. Non je veux pas le... Non, non. Creux. Non. Ce fail. Oui, je m'inscris. Heureusement que c'est pas aussi long que le premier coup. Du coup, Flo Bio, inscrire. Ok. Et du coup en grasse. En grasse, ouais. Niveau normal, hein, parce que t'as pas le choix au début. On est des noobs, hein, je rappelle. T'as vu ce changement éclair? Bah, c'est la classe, hein, je suis désolé, mais. Comparé à moi. Ouais, ça fait un peu rocker, j'aime bien. Cathy et Chuchmur. Bah, c'est Mumur du coup. Oui, c'est Mumur du coup. Vas-y, Mumur. Il est trop gracieux. Ouais. En deuxième concurrent, nous avons Yuna et Loulou. Yuna, c'est dans FF ça? FF10. Ah, il est trop gracieux aussi lui. Ouais, j'avoue. Moi j'aurais dit grasseux, mais. Et ça, du coup, c'est avec les Pokéblocks, les animations. J'ai eu la confirmation quand j'ai testé. D'accord. Nous avons Martina et son Zigou. Encore un peu, c'était Zigou. Hein. Ouais, d'ailleurs, salut à toi, Zigou. Et ensuite, nous avons Link et Flobio. Oh, je me suis teint les mèches. J'avais pas vu. J'ai une mèche jaune et une mèche rouge. Ah non, t'es sérieux. Oh, je me suis teint la méchouille. C'est tellement plus classe que moi. Allez, c'est parti. Du coup, je suis en dernier. Du coup, je vais peut-être faire le tir debout. Non. Non, t'es en grâce, hein, c'est les roses. Ah oui, c'est grâce. Diminue la confiance des Pokémon qui ont fait leur démo. Je vais peut-être faire ça. Ouais, en fait. Du coup, c'est là en premier. Vu que je suis dernier. Ce serait bien que t'aies les étoiles pour montrer ce que ça fait. Parce que quand on a toutes les étoiles et que c'est. Enfin, quand il y a toutes les étoiles et que c'est à nous de jouer à ce moment-là, qu'on obtient la dernière, ouais. Ça fait une super belle scène, mais. Ouais. Et apparemment, ce serait des scènes différentes par type de Pokémon. Du coup, on a gardé un morceau pour une vidéo bonus de ce que j'avais fait moi en stream. Avec Brazegali, non? Ouais. C'était. Peut-être Poussif. Bref, un Poussifeu ou Évolution, je sais plus. Oui, si, je sais plus. Mais enfin, la qualité sera pas aussi bonne du coup que sur le Let's Play parce que c'était en stream donc avec la connexion qu'on a, on peut pas forcément. Faire de très bonnes qualités. Mais c'est histoire de vous en montrer au moins une. Voilà. Une autre que. Comme tu n'as pas de Pokémon de feu pour l'instant. Non. Oh, ça a pas marché. Donc j'ai remporté une étoile d'ovation qui me donne un petit cœur en plus. Non. J'ai pas réussi à me moquer des autres. Là par contre je suis en tête, donc on va faire la démonstration qui plaît énormément. Ça va mieux. Oui, c'est en grâce lui. La musique bien sympa aussi. Et du coup quand tu les fais avec les Pokéblocks et tout, t'as plus de cœur aussi par le public quand t'apparais, quand tu te présentes. Ouais. Clonage. Trop bien hein. Ah, donc Chuchmur a des attaques en grâce. Bah, il faut bien dans un concours de grâce. Ouais. Bah, tu vois, au premier tour, il n'y en a aucun qui l'en a, ouais. Qu'en a utilisé, quoi. Gaz toxique, c'est tellement gracieux, hein. Mmh. Il essaie de déblouir les autres, mais ça n'a pas marché. C'est Zigou. C'est Zigou qui fait lance-bou. Et c'est pas de la grâce, ça, j'imagine. Ah, si. Oh non! Bah si, ça peut être bien du coup. Ouais, enfin si je passe premier, c'est bien. Bah même pas forcément, hein. Ça dépend si quelqu'un l'utilise avant toi ou pas. On verra. Ce sera la surprise. T'es premier? Je suis premier. Bah du coup, coup de boue. Coup de boue, ouais. Coup de boue quand même, parce que si tu réutilises deux fois la même... Ouais, quand on réutilise deux fois la même attaque dans un combo. Je sais même pas si tu peux là maintenant en fait, vu que c'est un peu plus clair, tu peux pas... Je pense pas que tu puisses la réutiliser en fait. Je sais pas. Enfin, avant, quand on, quand on réutilisait les techniques, ça nous rapportait moins de points. Et donc voilà l'ovation, quand on a les étoiles. Bon, elle est sympa aussi avec lui. Elle est sympa, ouais. Et du coup, selon les Pokémon, et selon s'ils sont méga évolués à ce moment-là ou pas, parce que quand c'est à leur tour et qu'ils ont une méga évolution, ils méga évoluent, ouais. Ça change la petite scène qu'on a. Du coup, pour l'instant, on est en tête, hein. Pour l'instant. D'ailleurs, à la limite, il faudrait peut-être récupérer la deuxième que j'ai faite avec Brazegali, tant qu'elle est encore disponible dans le Twitch. Ah oui, oui, on pourrait récupérer celle de Brazegali, oui. Toxique.
ça n'a pas marché. Bon bah du coup pistolet à eau, hein. Ouais. Je sais plus comment était la musique avant, mais je préfère celle-là, je crois. Ouais, moi aussi, je préfère largement celle-là. Je m'en souviens plus, c'est qu'elle devait pas tellement me plaire. C'est très possible. Il y arrivera pas, hein. Non, il va pas y arriver. Puis le public attend toujours qu'il fasse sa combinaison, là, mais apparemment... Mais apparemment, il la fera pas, hein. Non. Donc après, de mémoire, c'est en 5 tours, c'est ça? Ouais. Ah. Ah, si on peut refaire la même, du coup. Ouais, donc ouais, c'est Mumur qui a refait la même et du coup il a perdu des points. Enfin, il a gagné moins de points. Fini par être remarqué. Enfin, tu sais. Ouais, j'avoue. Pour l'instant, je suis encore en tête. Et la dernière. Bah, un coup de boue. Hein. Bah, coup de boue. C'est un petit peu calmé. C'est tout. C'est petit, hein. Coup de boue. Du coup, est-ce que ça va déstabiliser le zigou? Non. Il y a peut-être un Pokémon confiant. Hein. Ouais. Parce que ça te le dit quand ils sont confiants quand t'arrives. Ouais, non, mais je me suis dit, vu qu'il s'était calmé, peut-être que c'était le truc de genre il est confiant, mais en fait, non. Non, ils te le disent clairement que ton Pokémon est confiant ou non. D'accord. Ah bah du coup, là, on a vu qu'il était très confiant. Étonnement. Ah bah le Gloopty. Ouais. C'est foutu pour lui. Et c'est terminé. Je préfère ces concours-là, il y a juste à faire les attaques. Ouais. Du coup, les résultats. Qui est en tête? En théorie, c'est moi, si je dis pas de bêtises. Bah, j'espère. Ouais. Tu as gagné. Wouhou. Pouce bleu pour cette victoire épique de Flobio avec Link. Ouais. Bah, il faut savoir aussi. Et pour le cadeau qu'on aura. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on peut prendre des photos. Bon, je l'ai pas fait là parce que. Par contre, il y a que la dernière qui est gardée sur la DS, hein, qu'on retrouve après dans l'appareil photo 3DS. C'est ça. Félicitations, Link. Merci. Personne ne vous arrive à la cheville quand il s'agit de démontrer le charme des Pokémon. Je sais, je sais. La prochaine fois, vous pourrez participer au concours dans la catégorie grâce au niveau super. T'es content, hein? Ouais, trop bien. À bientôt pour le niveau suivant, nous comptons sur vous. Ah, au fait, une personne souhaite vous voir, elle se trouve dans les vestiaires. Ok. Non. Et si? Non. C'est à toi. Link. Waouh, quelle victoire. Félicitations. Merci. J'ai tout vu, tu étais formidable. Merci. Et je te remonte mes fesses en récompense. Première victoire, une star aînée. Oh. La classe, non? Non. Oh. Link, continue comme ça. Nous devons aller jusqu'au bout. Ouais. Toi et moi, on sera les plus grandes vedettes du concours Pokémon Live. Non. Rien ne me ferait plus plaisir que de te trouver à mes côtés. Non plus. Je suis convaincue que tu peux devenir l'idole du public. Ne me déçois pas, ok? Je m'en fous, en fait. Faut que j'aille me maquiller un peu. Oh non. Bon, du coup... Ton cadeau. On va aller chercher notre cadeau. T'as pas tellement le choix, en fait, mais... Ouais. Hé, hey, attends, j'étais très impressionnée par le costume que tu as porté pendant le concours la Pokémon Live, j'allais dire Live Pokémon. Bon, c'est pareil. J'en ai eu des frissons. Ouh. Et ça m'a donné envie de créer des costumes assortis pour Pokémon. Ouais. Putain, c'est ta faute tout ça, en fait. En fait, c'est ma faute. J'ai justement un Pikachu cosplayer qui adore porter des costumes, c'est une femelle très coquette. Elle adore se déguiser et tous les types d'habits lui vont comme un charme, je n'ai jamais vu de Pikachu comme elle et pourtant j'en ai vu passer. Pardon, j'ai pas passé le texte. Oui. Tiens, je lui ai fait essayer un costume. Avec une parure pareille, elle ne passera pas inaperçue pendant le concours. Redis parure pareille tout le plus vite. Avec une parure pareille. Ça s'est entendu que j'avais bugué? Un petit peu.
Et donc on reçoit un Pikachu. Veux-tu donner un surnom, Pikachu Cosplayer? Non. Bon, les costumes, on les montrera au début de prochaine vidéo? Peut-être, ouais. On peut pas les montrer en fait, je crois, je sais plus. Non, en fait, je suis en train de me dire qu'on fera peut-être une vidéo bonus avec les costumes de Pikachu. Ouais? Ouais. D'accord. Tu trouveras plusieurs autres tenues pour ton Pikachu Cosplayer, pense donc à venir faire un tour du côté des vestiaires. Sur ce, prends bien soin de ta nouvelle protégée. Comme Tarsal. Donc, à savoir qu'il y aura un Pikachu dans l'équipe, mais pas celui-là. Voilà. Bon, en attendant de pouvoir en avoir un vrai et qu'on peut faire évoluer, oui, mais du coup... Voilà, donc pour l'instant, nous avons ce Pikachu Rocker. Qui est, selon moi, le plus potable. Voilà. Donc, en fait... Enfin, les autres, après, on peut les voir quand on les change et qu'on les met dans l'équipe, quoi. Ouais. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que, juste avant de se quitter, je vais changer juste quelque chose. Quoi? Tu vas lui enlever? Ouais, je vais lui enlever. Voilà. Et du coup, dans la vidéo bonus, on vous montrera tous les Pikachu en combat, avec tous les costumes possibles. Voilà. Et du coup, eh bien, je pense qu'on va rester là pour avoir la musique stylée, ouais. Et tout. Et je pense qu'on va se quitter là, puisque c'est un épisode qui va durer un tout petit peu plus longtemps, mais on a fait le concours, et j'ai gagné. D'où la récompense du Pikachu. Voilà. Et je crois que apparemment même quand tu perds, tu l'as aussi, donc... Je crois pas. Si, qui c'est qu'on a vu perdre? Je sais plus. Enfin bref, on en a vu un perdre, il l'a eu quand même, donc voilà. Enfin bref, on blablate, mais j'espère quand même que cet épisode vous a plu, avec Lily dans un rôle d'Atalante complètement... complètement classe. Non, mais moi j'ai pas montré mes fesses. Ouais, voilà. Et nous, pour le coup, on va se quitter là et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. À bientôt tout le monde. Mais d'ici là, vous le savez, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.